Eh bien, salut à tous, c'est Nikos, et bienvenue dans ce 11e épisode commenté de notre aventure sur Pokémon Platine en Nuzlocke Random. Eh bien, la dernière fois, nous avions fait le château hanté, et nous avions combattu la Team Galaxy. Alors, on avait ressuscité notre fossile crâne, Cranidos, qu'on avait appelé Fonce dans le tas, qui a malheureusement absentéisme, mais qui avait quand même de très bonnes attaques, fracasse-tête, étincelle en palcorne et double pied. Coup double, pardon. Et on a ensuite capturé un piaf qui pique dans le château hanté, qui a Damoclès, régénération, je lui ai appris balayage et il a appris picor par montée de niveau. Et enfin l'œuf qu'on a récupéré de Cynthia, et d'ailleurs j'ai fait des pas pour en profiter. Comme ça, et bien voilà, c'est parti. Ça va être un Togepi. Togepi vient de sortir de l'œuf. Alors, on va donner un nom à ce Togepi. Bon, je ne sais pas si ça s'entend à ma voix, mais je suis un petit peu enrhumé, enfin, j'ai un petit peu mal à la gorge, je sais pas, c'est le moment. On dirait, comme par hasard. Enfin bref. Alors comment je vais l'appeler bon allez. Je sais pas trop comment je vais l'appeler. Oh, je vais l'appeler comme ça, allez. Kiffé. Voilà, même s'il n'est pas encore de type V, hein, dans la quatrième génération. Osef. Donc, on va découvrir qu'est-ce qu'il a. Alors, il est jovial de nature. Ah, c'est pas très bon, ça. Ah, mais par contre, il a point de fer, ok. Augmente la puissance des capacités coup de poing. Et rayon gemme, grincement, représailles et mégaphone. Ah mais c'est pas trop mal finalement hein. Ouais ça va, c'est pas trop mal. Bon bah écoutez, on va envoyer on va faire la piste cyclable. C'est parti. Premier dresseur. Salut, dis entre le vélo et les Pokémon. Tu préfères quoi? Alors Magnéti, ça devrait aller. Ah ouais, mais quoique. Ah non, 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 ça devrait pas aller si facilement. Bah, on va lui faire trou noir. Voilà. Et niveau 21 quand même. Alors, ce que je vais faire. Ah, je vais prendre un risque. Je vais envoyer Piaf qui pique. Et je vais tenter un petit balayage. Oh putain, il se réveille. Ok, on a eu chaud, hein. Hein. Bah, écoutez, on renvoie Nidomina. Putain. Il est obligé de se réveiller dès le tour suivant, hein. Onde de choc. Oh bah, heureusement qu'il nous fait que onde de choc, mais encore onde de choc, hein. Oh, putain. Ah oui, quand même, ça nous enlève plus de la moitié, enfin, presque la moitié. Bon, écoutez, on va faire trou noir et on va pas avoir le choix, je crois. Alors, il nous contre carrément toute notre team. On va faire Draco charge. Voilà. Bon, ça fait pas grand chose, mais écoutez. Putain, il se réveille. Mur de fer. Ah, il est sérieux là? Il est sérieux? Putain. Bon, bah, je refais trou noir du coup. Et je vais me soigner par la même occasion. Oh là là, ça commence bien. Par contre, je crois que je vais déposer Togepi dans le PC. Ouais, parce que là, il nous sera d'aucune utilité.
Allez, on va continuer avec les dracocharges. Je peux pas faire en palcorn vu qu'il est à un niveau de plus que moi, malheureusement. Par contre, ça fait que ça... On va accélérer, écoutez. Ah, il a la trouille, yes. Ah, ça c'est bien. Allez, je te rendors. Allez, encore dracocharge. Allez, on y est presque. Oh non, pic toxique. Putain. On recommence avec dracocharge. On s'en fout des pics toxiques, on l'achève. Voilà. Oh putain. C'était pas évident, hein. Plutôt pas mal, bah oui, effectivement. Bon, par contre, je vais faire une chose. Ouais, je vais déposer comment Togepi. Parce que là, franchement, il nous sert à rien. Putain, en plus, il est jovial, quoi. Bon, allez. Voilà. Tu es dans la boîte stock. Du coup, on n'a plus que 5 Pokémon. Bon, on va soigner en même temps. Hein. C'est pas ça qui va nous faire perdre énormément de temps. Bon, par contre, quoique, on est quand même à 6 minutes d'épisode déjà. Oh, bon, ça bug un petit peu. C'est un petit peu chiant. Oh non. Ah, c'est bon. On va envoyer... Allez, on va quand même entraîner Piaf qui pique. Ça serait bien qu'il évolue en... Ah, mais ça continue en plus. Ça serait bien qu'il évolue en rapace des piques avant la fin de l'épisode. Ouais, c'est bien. Ok, c'est bon. Alors, il envoie... Lupio. Ah bah, on n'a pas de chance, il faut encore qu'on change de Pokémon. Aïe, quelques moiteurs, ok. Du coup, on va envoyer... Ouais, Nidomina, hein. On n'a pas le choix. Clairvoyance. Ok, ça ira. Trou noir, hein. Octazooka, oh non, j'aime pas ça. Ça va, il a pas baissé notre précision. On l'endort, ça c'est bien. Et du coup, on va faire des tricanons. Ah, il est plus rapide par contre. Hein. Allez, ça devrait lui faire de bons dégâts. Oh yes, bien. On va faire un dracocharge. On va pas user trop de des tricanons, hein. Voilà, comme ceci. Ok, bon, je l'ai battu. Ça a été. Tu nous as épuisé. Allez, on va utiliser une potion. 9 potions, ouais, ça va. Alors, allez, on continue. Et vous voyez en bas, il y a une. Enfin, il y a un endroit. Il y a une zone. Et bien, c'est la même que la piste cyclable en fait. Parce que c'est considéré comme une route. Alors, par contre, Ryoko, quand même. Waouh. C'est pas rien. Ah, c'est pas rien, Ryoko. Ouais, on va envoyer Rongelec. Il devrait bien résister aux attaques psy, normalement. Plénitude, oh là 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 là, non, pas ça, pas ça. On va faire cage éclair. Quoi? Mais il est sérieux? Ok, d'accord. On va faire coup de boule. Et il continue avec ses plénitudes, ça me fait un peu peur. Putain. Allez. Oh là là, mais je lui fais que ça. Ok, laisse tomber. On est dans la merde, là. On est dans la merde. Oh putain, bah oui. Pourquoi j'ai fait ça? Mais non.
Ok. Oui, calme-toi s'il te plaît. Calme-toi, tu me fais un peu peur là. Mais genre un peu beaucoup. Oh, le coup critique, yes. Oh, allez, continue tes plénitudes et fais pas autre chose. Oh, s'il te plaît, ça serait énorme. Allez, allez. Allez, 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 allez. Yes. Oh, il est trop con. Oh là là, putain. Par contre, là, il est genre en x5, x6. Sérieusement. Putain. Yes, niveau 18 pour Piaf qui pique. Bon. J'ai beau faire des efforts, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule. Je crois qu'il a dit. D'accord. Ah oui, mais là, t'es vraiment con, hein. Et toi et moi, on fait du vélo et on a des Pokémon. Je vais te prouver que je suis le meilleur. Ok. Granivol, Granivol, Granivol. Contre Piaf qui pique, c'est bon. Par contre, il a Sable Volant. Ah, toujours un truc pour nous gêner. Incroyable. Allez, Picor. Ça devrait le mettre KO. Eh oui, yes. C'est bien ça. Allez, il faut pas qu'il meure, hein. Ou toutes. C'est bon, normalement. Avec un Picor, on devrait lui enlever au moins la moitié. Ouais, voilà. Oh non, 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 non. Oh putain, non. Oh non, s'il te plaît. Heureusement que Outout, il a pas une attaque de malade. Ouais, je veux le faire évoluer au plus vite parce que là, je ne supporterai pas. Et enfin, un Kelorior, ok. Bah, ça devrait aller, hein, largement. On va utiliser une super potion. Et comme ça, on va faire balayage. Ouais, ok. Je te dirai rien. Hein. Oui, bien sûr. Bon bah... Putain. Bon, on a un tour gratuit, alors autant en profiter pour faire balayage. Il a plus de vitesse que moi, hein, par contre. Oh, presque KO. Ah, ça c'est dommage. Eh oui, c'est dommage. Bon, on va encore se soigner. Bah, avec une potion, ça devrait aller. Hein. Par contre... Ok, c'est bon. Il me fait pas ultra laser. Par contre... ouais, enfin non, ça devrait aller en fait. Allez, balayage. Oula, picanon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Touché deux fois. Et voilà, dresseur vaincu. Et je passe au niveau 19. Bien, bien, piaf qui pique. Ok. Oh mince, tombé du vélo. Ouais, tant mieux pour toi. Alors, faudra qu'on entraîne aussi Poiscaï. Allez. On continue. Ta bicyclette, c'est le modèle avec plusieurs vitesses. Génial, non? Bon, c'est pas le tout, mais on a un combat qui nous attend. Ouais, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Mais je vais te défoncer. Hein? Hein? T'es d'accord? Bon, ok. T'es d'accord. Par contre, ouais, je vais faire Picor. Allez, ouais, ça va. Oui. Je crois qu'on a une étoile au-dessus de nous. Hein. Putain. Oh là là, non mais sérieux. C'était la même chose à l'épisode précédent ou encore d'avant. Un PV.
J'en reviens pas. J'ai du mal à y croire. Otaria. Otaria. Bah, on va changer. Et go, Rongelec. Go. Putain, mais non. Octazooka. Bon, ça devrait pas me faire grand chose. Ah, quand même. Coup critique. Bon, bah, on va faire tonnerre. Voilà. Allez, il devrait être KO. Et... ah, presque. Ah, Octazooka, il refait. Bon, ça va, ça nous fait pas grand-chose, mais notre précision baisse encore. Ce qui n'est pas terrible pour nous. Encore, ok. Bah du coup, bah ça nous arrange. Voilà, tonnerre, et je ne rate pas. Yes. Ça, c'est bien. Bon, j'espère qu'au moins tous mes Pokémon, d'ici la fin de l'épisode, auront atteint le niveau 20. Ça serait bien. Enfin, je dis ça, mais bon, c'est pas un niveau très élevé, hein. Alors, il y a encore de... Putain, mais il y a beaucoup de dresseurs, hein. Alors, en vélo, on peut voyager loin. C'est notre propre fatigue qui limite les distances parcourues. Oh. Attention. Alors... Rattata. Ok, bon, c'est de... que des Pokémon de base. Ah bah, balayage, du coup. Ah, ok, on lui fait que ça. Ok, il a bon buff. Bon, on va lui faire Picor, du coup. Bah, on lui fait que ça parce qu'il a une... Bah, il n'est pas lourd, c'est pour ça. Allez, allez, t'évolues bientôt. Allez, on y croit. Certains misent tout sur la vitesse, d'autres sur la technique. Tu fais partie de quelle catégorie? Des deux, je crois. Non? Oula, Rattata, ça rigole un peu moins. Bon, 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 bah on va changer de Pokémon, hein. Je tiens... Ah bah tiens. On va envoyer Fonce dans le tas. Comme ça, il résistera. Ah oui, mais par contre, si tu fais ça, je vais pas apprécier, hein. Bon, on tente le fracasse-tête. Allez, on tente. Yes! Allez, allez, mets le KO. Oh, super. Par contre, ça nous a enlevé masse de PV. Yes! Piaf qui pique. Oh, super. Oh, il évolue bientôt. Skitty. Skitty, on va changer niveau 18. Ouais, on va changer. Et on va envoyer Poiscaille. Ça devrait aller, hein, normalement. Ah bah, il est bientôt niveau 19, lui. Tranchère, ok, d'accord, bon. Pourquoi pas, ça ne fait que ça. Ah oui, j'ai Éclatroc, mais je vais faire Hydroqueue. J'ai plus de vitesse en plus, donc ça sert à rien de faire Aquajet. Et je le mets presque KO, ça va. Façade, on devrait résister. Ouais, tranquille. Mais je crois que c'est bien au niveau 20 qu'il évolue, hein. J'espère. Ah, presque. Allez. Allez, évolue. Oh, yes! Piaf qui pique, évolue. Ah, je me demande si c'est la première évolution du Nuzlocke ou pas. Oh, super. Oh, yes! Ah, oh, ça fait plaisir. Rapace des piques. Super. Ah, oh, je suis content, là. Je suis content. Ah oui, 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 oui. Bon, par contre, c'est dommage qu'il soit assuré de nature, hein, franchement. Ça nous... Ah, il a glissade en plus. Ok. Bon. Alors, le multi-expérience, on va l'enlever, hein. Et on va lui faire tenir un objet. Genre... qu'est-ce qu'on pourrait lui faire tenir? Bandeau augmentant légèrement, ouais. Taux de coup critique. Allez, bandeau muscle. Je vais te faire tenir ça.
On n'a pas encore battu ce dresseur à droite. Bon, on va le faire. Mais d'abord, on va se soigner. C'est ici. Voilà. Allez. Si tu me bats, quelque chose d'horrible va t'arriver. Oh non. Alors, Corillon. Ok, bon, ça devrait aller, hein. Allez, Hydroqueue, Ténacité. Ah, presque KO. Bon, Aqua Jet, ça devrait l'achever. Attention. Ouais, voilà, tranquille. Tranquillement. Niveau 19. C'est bien. Bon, ça va, Poiscaille, il est pas si mauvais que ça. Du coup, Rongelec, ouais, et Poiscaille, ok. Allez, on continue. Apprenez à passer, ouais. C'est le dernier chic. Osef des accessoires. Bon, on va... Voilà, on va sortir de notre vélo. Alors, là... Regardez, je vais vous montrer la carte. En fait, la piste cyclable, comme vous le voyez, c'est la route 206. Mais, comme vous avez vu en bas de la piste cyclable, il y a une route, c'est-à-dire par là, en fait. Eh bien, on va y aller tout de suite. Mais avant... Non, mais on va y aller tout de suite, en fait. Ouais, on va y aller, c'est parti. Alors, on a coupe, ça c'est bien. Mais bon, j'oublierai coupe un jour ou l'autre, hein, parce que ça... ça sera pas toujours obligatoire pour la suite de l'aventure. Ah, Pokémon de la zone, attention! Mais non, mais t'es sérieux, là? Mais c'est quoi ces Pokémon de merde? Pas avoir mieux, genre un petit peu mieux, un tout petit peu mieux. Non, c'est pas possible. Allez, je passe sans vitesse, ça m'a saoulé. On va faire coupe, voilà, combo griffe doucement, cage éclair. Et on va refaire... Et on va l'attraper, allez. Une Pokéball, ça suffira. Et bien sûr, on l'attrape du premier coup. Bon, ça va. Hein. Bon, ben, on a un Milo dans notre équipe. Waouh. Putain. Alors, celle-là, Pokémon étoile, on le dit qu'il se déplace à dos d'étoiles filantes. Il se montre souvent quand on en voit, ouais. Bon, allez, je vais t'appeler... Comme ceci. Ouais, allez. Étoilage. Ouais, voilà, allez. Alors, on va regarder quand même ce mélo, on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Pressé de nature. Ah oui! Ah, d'un coup, là, je t'apprécie un petit peu mieux. Force pure. Oh! Putain. Point éclair, bon bœuf, vantardise, combo griffe. Je t'apprécie un petit peu mieux. Je te pardonne. Du coup, de 17 en attaque, ça fait du 34. Ça va mieux. Ah, ça c'est mieux. Ah, je suis content. Enfin, ça s'entend que j'ai le sourire là, hein, je crois. Ah, super. La 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 la. Bon, ça me motive un petit peu. Mouchoir soie.
Ah, bien! Ça augmente les attaques normales, ça. Bah, c'est bien! C'est bien! Tout simplement. Bizarre, on m'avait dit qu'il y avait deux grottes sur la route 206, mais je n'en trouve qu'une seule. Oui, mais non. J'ai pas le temps, là, tu vois? J'ai pas trop le temps. Voilà. Elector, bye. Ça sera pour une autre fois, hein. Allez, on recueille les baies en vitesse. Mais je crois que c'est genre ici qu'il y a une grotte. Non, c'est pas encore ici. Bon. Ça fait deux Pokémon légendaires de suite, bien sûr. Oh là là, heureusement qu'on a ma poids sirène. Hein. En sans mer, ah ça c'est bien je crois. Oh, tu m'as fait peur, maintenant que tu es là, autant nous affronter. Alors, Charmino... Oula, Charmino quand même. Bon, on va tenter quand même. On va tenter. Allez. Hydroqueue. Oh non, 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 non. Ah oui. Ah, c'est vrai. Il nous fait que ça parce qu'il a pas force pure. Et oui. Ah, tu te sembles plus faible. Hein. Bon, on va envoyer Piaf qui pique, du coup. On va prendre de risques. Yes. Ah, du coup, ça va pas... Ah, quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est... Allez, Picore, ça devrait le mettre KO. Ouais, bien. Oh, super. Et étoilage qui gagne tout l'XP. Bah, c'est bien hein, aussi. Beaudrive. Ah bah, on n'a pas de danger à craindre. Il est de type spectre, il ne me fera rien. Vu que je suis de type normal, sauf que là, il me fait bec-vrille et ça va encore. Bon bah ça va, on tient le coup hein. Bon, il a pas boom final heureusement. Ta puissance est effrayante. Mais je sais plus comment Mélo évolue en fait, c'est ça le problème. Bon, ils sont un petit peu amochés tous nos Pokémon, donc on va tous les soigner. Voilà, ça suffira. Allez, même fonce dans le tas, on ne sait jamais. Ah, non. Au revoir, Kyogre, je t'ai assez vu pour aujourd'hui. Merci. Mais... attends, ah, mais je crois que c'est ici qu'il y a une grotte. Ah, attendez, par contre, il y a une Pokéball avant. Hyper potion, bien. Parasect, on va fuir. Ah, je crois que c'est ici qu'il y a... Ouais. C'est ici qu'il y a une grotte secrète. Donc on est à la grotte Revêche. Donc c'est une nouvelle zone également, en fait. Bah du coup. Et ici, ça mène aussi à la grotte. Bon. Quoi qu'il en soit, alors ici c'est un passage secret, mais je crois qu'après on arrive à un cul-de-sac. C'est juste pour récupérer des objets, en fait. Donc, nouvelle zone, nouveau Pokémon. Ah bah du coup, yes. Attention. Et c'est un Lumivole. Ouais, c'est pas génial. Hein. Un Lumivole, ouais. Oh là là, je m'attendais à mieux. Bon allez, ronger les go. Fais chier. oula, par contre, Lumivole, Lumiqueux. Je prends. Non mais là je prends par contre. Kage. Quoi? Quoi? J'ai un petit peu peur là, hein. Je vais faire tonnerre pour l'affaiblir. Oula, oula, la 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 la. Ah non, non, j'aurais pas dû faire tonnerre. Putain. Ok.
On va essayer de tenter de l'attraper d'un coup, d'un seul coup. Allez, s'il te plaît. Oh putain, on est dans la merde. Oh putain, heureusement qu'il a que vampirisme. Oh putain. Allez, coup de boule. On continue les coups de boule. On continue. Putain, lumiqueux. Ok. Bah oui, bah là, tu m'étonnes que ça n'ira pas plus haut. Allez, s'il te plaît, capture-le. Yes! Oh, super! Oh, je suis content. Oh, j'espère que ça sera un bon Pokémon et tout, hein. Oh, yes! Il utilise son doux parfum pour aider Musiole à décrire des arabesques... What? Dans le ciel nocturne, ok. Alors, oh bah je vais l'appeler Lumiqueux. Quoique, je vais faire une fusion. Lumiciole. Voilà. Même Lumiciola, on va l'appeler, vu que c'est une femelle. Voilà. Par contre, non, je te mets pas dans l'asile. Allez. Ah, c'est chiant. Ok. On est ici. On aurait pu tomber sur un Oscerapti. Bon. Heureusement que non, hein. On aurait pu tomber sur un Ronflex, encore mieux. Ah oui, ici, ouais, ce sont des objets à récupérer. Un Grignote aussi. Ouais, en fait, c'est randomisé, mais à moitié, j'ai l'impression. Pyroli, par exemple, lui, il est randomisé. Tiens, on va le mettre KO, d'ailleurs. Canicule. Ah oui, mais merde. Bon, bah... Putain. Il était obligé de me brûler. Putain, mais sérieux. Anti-brûle. Voilà. Allez, du coup, on va passer ça à fond. Hop! Ah oui, du coup, il faut passer ça à fond aussi. Oh là là, c'est pas rien ici. Ah oh bah, ok. Pyroli, Aquali, manque plus que Voltali. Ah oui, oh, j'ai oublié de changer de vitesse. Voilà. Nosferapti, ok. Hop, hop, hop. Oh non! Il a fallu qu'on tombe sur un Pokémon. Mais sérieux, quoi. Bon, bah, du coup... Voilà. J'ai trouvé la technique. Hey. Du coup, voilà. On récupère cet objet qui est sans intérêt, vu que c'est une baie. Et du coup, on change de vitesse. Et on fait ça. Encore un Ronflex, bah dis donc, décidément. Non. Ah, Poisson Roi, oh, c'est ce qui t'attend, Poiscaille. Si tu tiens le coup, hein, tout ce temps-là. Allez, à fond, à fond, à fond. Mais non. Bon, allez. Non, je voulais pas faire ça. Putain. Je voulais faire hydroqueue et j'ai appuyé trop vite. Super. Bon, est-ce qu'on peut fuir? Ah, on peut fuir quand même, même sous une étreinte. Mais je vais jamais y arriver, hein. Voilà, mais c'est pas difficile. Tout ça pour des objets, quoi. Bon, écoutez, là, ça commence à m'énerver un petit peu. Donc, est-ce que j'ai des... Oui, Max repousse, super. Voilà, ouf. On est un petit peu libéré comme ça. Par contre... oui, quoi? Ah bah oui, forcément. Putain. On a utilisé un Max repousse pour rien. Bon.
Roche glace, ok. C'est toujours des objets, hein, comme ça. Hein. En fait, là, on perd beaucoup de temps, j'ai l'impression. Et du coup, allez, on y est presque. Ah oui, attendez. Voilà, c'est ça que je voulais récupérer aussi. Plaque hydro, ok. On s'en fout de ce qu'il y a écrit. Hop, bien, bien. Allez, on y est presque. Lumivol, ok. Bon, bah cet épisode aura encore duré longtemps. Et en fait, où on va atterrir? Je crois que en fait c'était pour une CT, mais elle va être random. Eh bien, j'espère que ça vaut le coup. Est-ce qu'il n'y a pas un objet genre ici? J'appuie, mais non. Ah! C'était 26 plénitude, et eh bien, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Eh bien, on a bien fait de venir. Finalement. Alors, avant de s'arrêter, on va voir qui peut apprendre plénitude. On va se dépêcher un petit peu. Ah oui, par contre, que Poiscaille, d'accord. Bon. Bon, on va arriver à Charbourg. Hein. On se retrouve à Charbourg. Et tout simplement, c'est pour voir... comment? Bah... notre Lumivol. Tout simplement. Alors... déjà, on va le retirer de la boîte... Enfin... On va le... Non. Déplacer Pokémon. On va le mettre avec Togepi. Le Kokifé. Alors, du coup... Bah, je sais ce qu'on va faire. On va déjà regarder. Il est brave de nature. Putain, mais motorisé, c'est excellent, ça. Par contre, brave de nature, c'est pas terrible. Mais motorisé, excellent. Parce que ça enlève sa faiblesse électrique. Oh, ça, c'est trop bien. Ok. Lumiqueux hydrocanon. Et ça, ça pourra contrer les types proches. Je retiens, je retiens. Bah, finalement... Mélo. Eh bien, je te retire. Voilà. Par contre, on va déplacer les objets. On va le prendre. Enfin, on va le mettre dans notre sac plutôt. Voilà. Et du coup, bah c'est bon. Bah c'est bien tout ça. On a une bonne équipe. Hein. Du coup. On a presque fini avec l'épisode. Je vais juste faire un truc. Tout simplement, je vais lui faire tenir un objet. Bah, on pourrait lui faire tenir... Ou aller la griffe rasoir. Ça augmente les coups critiques. Donc, voilà. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'allais faire encore? Ouais, c'est pas encore fini. Alors, on va voir quel CT je pourrais lui apprendre. Bon, je vais plutôt lui mettre des attaques spéciales. Le problème, c'est qu'on en a... Bah, c'est qu'on en a... On a tout. Il peut l'apprendre. Bon, allez, pourquoi pas, écoutez. Et pour cela, on va lui enlever... Toile. Allez, c'est bon. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, on se retrouvera devant la grotte revêche. On fera l'autre partie, hein, qui sera bien plus grande. Eh bien, en tout cas, j'espère que ce 11e épisode long vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Bye tout le monde !